Les 24 heures, parmi d'autres moyens, constituent une voie pour démontrer que les doctorants ont cet appétit à l'entrepreneuriat. Alors c'est déjà un succès puisque nos doctorants ont largement répondu oui à cette opportunité qui leur a été offerte. Donc aujourd'hui, ils sont une petite cinquantaine présents, prêts à en découdre sur une question qu'ils connaissent mal, dans des conditions un peu extrêmes, puisqu'ils ne vont pas dormir pendant 36 heures. Et ils vont ensuite présenter un projet qui sera né d'un groupe qui n'existait pas, puisqu'ils ne se connaissent pas les uns les autres au moment où on les réunit. Donc leur présence, leur capacité à nous faire rêver sera déjà un premier élément de réussite. C'est pour moi un événement qui vise à montrer à l'extérieur étant soit les entreprises, soit les universités, soit les institutions, que nos doctorants, nos jeunes, ont une envie d'entreprendre et ne sont pas du tout résistants ou ne se détournent pas de l'entrepreneuriat, mais au contraire, sont motivés à envisager de créer de l'activité.